Tu s'amuses bien avec ton Zizi Versa? Ça fait des couilles de riche. Chemise qui est genre sublime. Et les vêtements. Et donc c'est un truc oversize, c'est archi stylé. C'est parti. On a un problème, on a un problème. On a pas de problème. Devinez qui a encore fait un peu trop de shopping aujourd'hui? Moi! Je vais être à découvert, ça va être génial. Comment ça va mes zizi? Wesh! Oh là là, purée! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de haul. Ça vous dit que je vous montre ce que j'ai acheté? Let's go! Parce que là, j'ai un peu flambé ces derniers temps. Donc attends, aujourd'hui est un grand jour. Avant de te montrer les vêtements, je vais te parler d'un truc. Je vais parler du site eBay Club qui sponsorise cette vidéo. Je t'ai senti rien. C'est un site de cashback et moi, quand on parlait de cashback, j'étais en mode, je comprenais rien. Les youtubeurs, ils savent trop mal expliquer. Donc moi, je t'explique. Imaginons, t'as envie de t'acheter un t-shirt chez Bershka. Tu vas sur Bershka.com habituellement. Et ben là, au lieu d'aller sur Bershka.com, tu vas passer par eBay Club. En passant par eBay Club gagne une commission parce que tu as utilisé leur site. Cette commission, ils t'en reversent une partie. Parce que moi, je comprenais pas. Je me dis, attends, comment ça se fait que je dépense de l'argent mais j'en gagne? C'est chelou. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu touches une commission sur la vente en fait. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Dès que t'arrives sur le site, quand tu t'inscris, tu gagnes 3 euros d'office. Sauf que si tu passes par mon lien qui est dans la barre d'infos, tu gagnes pas 3 euros mais 5 euros. Ça veut dire, t'arrives, tu t'inscris. T'as déjà gagné 5 euros. Ton partenaire avec plein de sites comme Bershka, Azos, Cdiscount, Booking.com, tous ces sites-là, bah, au lieu d'aller sur les sites directement, au lieu d'aller sur Azos, tu passes par eBay Club et là, tu peux toucher les commissions. C'est toujours ça de gratter. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un testeur de code promo. Ça veut dire que tu cliques dessus et ça va calculer tous les codes promo qu'il y a possibles et inimaginables. Et bim, ça te sort le code promo le plus intéressant. Et là encore, t'économises de l'argent. Alors, sachant que quand t'arrives, on te donne déjà 5 euros offerts, genre tiens, bam, 5 euros cadeau, c'est pour moi. À partir de 10 euros, je peux les transférer sur ton compte bancaire. Bah, t'as économisé de l'argent en faisant du shopping. Moi, je comprenais pas, maintenant, je me sers que de ça. Genre, dès que je fais une commande, je passe par eBay Club, ça coûte rien. Et du cashback dans ma poche. Et voilà. Comme on va parler de shopping, je trouvais ça plutôt approprié de vous en parler, de vous faire part du bon plan. Si jamais ça vous intéresse, vous vous inscrivez, c'est dans la barre d'infos, c'est gratuit. Au-delà du fait que ce soit gratuit, tu gagnes 5 euros quand tu t'inscris. Du coup, c'est parti, je vous montre les vêtements que j'ai achetés. Je tiens juste à préciser qu'il fait plus de 40 000 degrés dans cet appartement et qu'on est en canicule à Paris et que je dois éteindre le ventilo, sinon on n'entendra rien. Donc là, je sue du cul. Lol. On va commencer par ce que je porte aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un léger. Craquage. Mais c'est un très joli collier. Ce t-shirt que j'ai acheté chez Pull&Bear et ce que j'aime c'est qu'il est large. Ouais, il est hyper oversize et quand il fait chaud comme ça, t'as pas envie que tes vêtements te collent, t'as pas envie d'avoir des auréoles. Et cette couleur, elle rend les gens beaux. Je sais pas comment ressort la couleur à la caméra, mais c'est un espèce de lavande lilas chelou. C'est trop beau. 9,99€. On va rester chez Pull&Bear. J'ai acheté cette chemise qui est genre sublime. Comme ça, avec des imprimés. On dirait un peu les peintures traditionnelles asiatiques. C'est super beau. Et je l'ai payé 20 euros. Voilà, c'est une taille S et pareil, c'est une coupe oversize. En ce moment, je suis grave dans un mood oversize. Avant, je n'osais pas trop en porter parce que bah, je suis petit de taille, donc ça a tendance à me tasser et à faire un petit... Et en fait, non, je me suis dit, vas-y, essaye, ça coûte rien. Et au final, ça me va bien. Osez porter du oversize, même si vous faites 1m20 comme moi. Un peu dans le même esprit, j'ai acheté cette chemise. Là, par contre, ça vient de chez Bershka. Payé, il me semble, 25 euros. Si je dis pas de bêtises, je m'en rappelle plus, mais c'était entre 20 et 25 euros. La matière, c'est hyper fluide, hyper léger. Et on a des dragons et des tigres. Je vous montre ici parce qu'on voit mieux. C'est pareil, c'est inspiré de l'Asie. Et j'adore le mood et ça me va tellement bien. Mon dieu. On est toujours chez Bershka. J'ai juste pris un basique, un t-shirt blanc. Oversize encore. J'adore le oversize, hein, je vous le dis. Ce que j'aime bien, c'est l'encolure qui est très très haute. Bah, comme celui-là, où c'est vraiment serré bien en haut. C'est le poil de cul à qui ça? Arc. Je trouve que quand les t-shirts sont bien remontés en haut, bah, ça donne une plus grande surface de pec. Bref, tu m'as compris, ça met en valeur la carrure et je trouve ça très joli. Donc ça pareil, ça vient de chez Bershka, vraiment Bershka. Sur eBay Club, il y a Bershka. Donc allez-y, lâchez-vous. Moi, Bershka, c'est toute ma vie. D'ailleurs, Bershka, faudrait peut-être penser à me sponsoriser là. Je parle tellement d'eux l'autre fois qu'ils ont fait une soirée, ils m'ont dit allez vas-y mon fils, viens, fais un événement ce soir, viens faire un tour. Bershka, si vous passez par là, c'est gentil de m'inviter aux soirées, c'est très très gentil, ça me fait très plaisir. Envoyez-moi des vêtements, regardez, je fais qu'en parler, je dépense mon PEL chez vous. On a cette banane qui vient de chez Bershka, je voulais en acheter une marque genre chez Longchamp et tout, mais j'avais pas le budget. Et donc je voulais une banane en cuir ou un simili-cuir, mais qui fasse pas cheap, tu vois, genre qui fasse basique, genre vraiment la plus basique possible, pour pouvoir la mettre avec vraiment toutes mes tenues. Archi basique, simili-cuir noir, il y a de la place, je mets mon porte-monnaie, mon passe-navigo, mon téléphone et mes clés, et ça suffit, il y a tout qui rentre là-dedans, 13 euros. 13 balles, ça suffit. Pour une banane que je traîne partout en soirée, ça suffit amplement. Ce pull qui vient de chez la femme, je m'habille très souvent chez la femme d'ailleurs, parce que j'aime bien la coupe, j'aime bien comment sont taillés les vêtements. Et donc c'est un truc oversize, il est un petit peu crop en bas. C'est pour ça que je l'ai pris très large, parce que
Hors de question qu'on voit mon ventre. Il y en a qui ça va très bien, hein. Mais moi ça va pas du tout. Ce qui m'a fait craquer aussi, c'est son prix, 10 balles. Wesh. C'est vraiment le petit pull que tu mets les soirs d'été, tu le préférais, je l'aime trop. Et franchement, 10 balles, je l'aime encore plus. Ensuite, chez Bershka. Bershka, Pull&Bear, rue de Rivoli, ils sont à côté. Je passe ma vie chez Bershka, Pull&Bear, Bershka, Pull&Bear. Pareil chez La Femme, qui est oversize encore, décidément. Et qui a pas de manches. Vraiment, quand je vous dis que je kiffe m'habiller chez La Femme, j'ai mis au sale parce qu'il y a des putains de poils de chat. Vous savez que c'est ma phobie des poils de chat. Parce qu'il y a quelques jours, j'étais en soirée et il y avait un chat. Et moi, je peux vous dire que les animaux, j'adore ça. Donc j'ai collé le chat toute la soirée. Un enfant. J'ai trouvé une copine. Mon petit bébé. Mais non, mais aime-moi, aime-moi. Bon, aime pas. Oui, pourquoi t'es pas sociable comme ça? Wesh. T'es ma chatte préférée, d'amour. Reste là. Allez, on joue, c'est l'heure de jouer. Bref, du coup, ce que j'aime bien avec ce t-shirt, c'est la petite écriture, genre, c'est très Corona vibes. If you can read this, you are too close. Enfin, bon, bref, pour ceux qui parlent pas anglais, enfin, il y a des gens qui parlent pas anglais, sérieux? Ça veut dire, si t'arrives à lire ça, c'est que t'es trop près. Le fait qu'il y ait pas de manches comme ça, ça met vraiment en valeur mes bras, mes épaules, ça me... J'aime beaucoup. Payé combien cette merde? Je crois que je l'ai payé 12 balles. 12 balles. 12 balles plus 12 balles plus 12 balles plus 12 balles. En cashback, ça te fait délover mon fils. Chez Bisbee, ça date. Mais j'ai trouvé drôle, c'est les Gremlins, mais en mode, c'est les Gremlins du Tchéka. On dirait vraiment moi et ma meilleure amie quand on prend du poppers, on est comme ça. Hey, hey. Pourquoi je vous raconte ce genre d'anecdote? Je sais pas. Cette chemise, alors ça c'est pas du tout un truc que j'ai acheté, mais je voulais vous la montrer parce que, grand Dieu, on m'en parle en permanence. Je pense que la plupart vont la reconnaître. D'une beauté, mais alors. Ah, c'est encore le parfum. C'est la chemise que je portais dans ma vidéo sur l'astrologie. Et tout le monde m'a dit, mais oh my god, d'où vient cette chemise? J'ai été faire un shooting aussi avec, vous ne la trouverez nulle part. Parce qu'elle vient de l'armoire de ma grand-mère. C'était un pyjama à ma grand-mère. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, j'ai tiré la petite truc, j'ai fait... Et je l'ai gardé. C'est pas pour faire le mec, hein, mais tout le monde te regarde. Parce qu'en fait, elle accroche la lumière et elle... Et tu brilles de mille feux et tout le monde se retourne, ils sont en mode... Je marchais dans Paris, il y a un groupe de mecs qui se sont arrêtés en voiture et qui ont fait, wesh frère, elle est trop belle ta chemise, genre... Bref, voilà, petite anecdote sympa. Tu mets cette chemise, t'es Beyoncé. J'ai découvert une passion aussi pour les slips. J'en avais acheté un cet hiver que j'avais mis, je vous avais mis une photo sur Instagram. Ça met le corps de l'homme en valeur. Vraiment, ça met mes cuisses, elles ressortent. Brah, on va pas se mentir, ça met très bien le paquet en valeur. Ça fait un joli paquet. Bien, je vais pas vous les montrer porter, bien évidemment. Ce slip chez Tommy. Et attention, tu s'amuses bien avec ton zizi versa. Si vous avez pas la rêve, par contre, vraiment, quand je mets ça, ça fait des couilles de riche. Et dernier truc, j'en avais envie, mais depuis longtemps, un jogging dans lequel t'es comme dans un pyjama. Juste un jogging Nike basique, comme ça. Archi confortable, et en plus, c'est archi stylé. Donc, j'aime bien le concept. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos pour faire votre shopping sur eBay Club. Bref, sinon, à part ça, ces derniers jours, j'ai vraiment profité. Vous savez même pas depuis combien de temps je me suis pas allongé, voilà, j'en perds mes mots. Pas allongé en me disant, allez, aujourd'hui, on fait rien. Genre, pendant une heure ou deux, on fait rien. Genre, je me repose. Je savais même plus ce que ça voulait dire. Attendez, je vais poser la caméra. Pourquoi je suis chiant comme ça? J'ai vraiment profité de voir mes amis, de profiter d'eux, etc. De faire des petites soirées et tout. Parce que je quitte Paris. Pour les vacances, bien sûr! Oh là là, vous y avez cru, bande de cons! Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vacances, parce que ça faisait genre un an et demi que j'avais pas pris de vacances. Des vacances au niveau du taf que je fais à côté de YouTube. Du coup, bah, je suis très fatigué. Ça va me permettre de me consacrer un petit peu plus à YouTube, parce que j'ai créé mon entreprise. Alex Miguel, c'est une entreprise, vous pouvez me féliciter. C'est très très dur au niveau paperasse, je suis en galère de ouf. Donc j'ai des rendez-vous à la banque, j'ai des rendez-vous médicaux aussi parce que j'ai eu des problèmes de santé dernièrement. En fait, j'ai posé des vacances pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai posé des vacances, mais pour bosser sur YouTube, je vais monter, tourner, filmer des vidéos, etc. Produire un maximum de contenu, je vais essayer de faire des shootings, et je vais, voilà, je suis au taquet. Ah, je suis une petite fourmi qui s'arrête jamais de travailler. Jusqu'au jour où je vais claquer, et bien évidemment, je profite de ces vacances aussi pour descendre dans le sud, voir mes sœurs, ma mère, ma famille, tout ça, voilà, faire des choses avec eux. Bitch, what the fuck? Qui t'a demandé de parler, grosse pétasse? C'est pas ta maman? Je t'aime rien pas. Les gars, il y a un achat que j'ai oublié de vous mentionner. Radadada. Oh là là, purée. Oui, messieurs, dames, c'est bien ce que vous croyez. Je suis en train de me tâter à faire une bêtise ou pas là. La reine du vlog par l'excellence, elle est en promo. Est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas? Mais t'as pas des sous de côté que tu m'as dit en cas d'urgence? Non, t'as en...
pas. Je sais pas. Je suis en pleine hésitation. Je suis fatigué. Bonjour les enfants, hier la caméra que je voulais commander, bien évidemment, il ne l'avait pas. Donc il a fallu que je la commande. Bon, ça va, elle est arrivée le lendemain. Donc là on est le lendemain. Il m'a envoyé un petit message me disant: wesh, ta caméra elle est arrivée frère. Donc je me suis réveillé et je vais aller la chercher. J'ai juste extrêmement faim, donc je vais aller déjeuner d'abord et après je vais à la FNAC. Quelle journée incroyable. Bonne journée, au revoir. Bref, maintenant que j'ai ma... Putain, mon miroir est sale, sa mère. Maintenant que j'ai ma magnifique caméra, on va la tester, les enfants. Donc là, je profite encore une fois de mes potes parce que je vais bientôt partir, comme je vous l'ai dit. Donc, on va aller manger un petit frozen yogurt dans Paris avec mes amoureux. C'est parti. Quel frozen yogurt? On va à celui de Pompidou. De l'air. Mais t'es avec nous? Non, c'est juste qu'on part tous en même temps. Frozen yogurt, le marais, tu marches. Dans le quatrième. C'est cher en vrai, 13,95. Je pensais que c'était beaucoup plus cher. Oui, mais de toute façon, prends moi, de toute façon, tout ce qui se boit, non, je bois. Alors, on a trouvé le Bel Aise, mais. Je tu sais combien de degrés ou pas ça, cette connerie là? Ah, t'es sûr. Parce que si elle est pas bourrée, ça sert à rien. Si elle est pas bourrée, ça sert à rien. Coco. On a un problème. On va pas être dans le même mood, non, je vais être rabattu. Ça c'est grave, oh là là, mais en fait je sais pas quand est-ce que j'ai le doigt devant le micro ou pas. Ça c'est grave le genre de soirée que je kiffe, genre ça fait une semaine que tous les soirs il y a des sauteries chez moi, les voisins ils n'en peuvent plus. Si je suis rouge c'est normal, c'est parce que j'ai un petit peu forcé sur le vin blanc. Ça c'est mon doigt qui est infecté, genre je vous en ai pas parlé parce que c'est vraiment moche. Je viens de me rendre compte que sans faire exprès on le voit. J'ai très honte, il est très très vilain. Je sais pas quoi faire. J'ai été au médecin et tout, mais à part faire des bains de d'Aquin, je peux rien faire. Et j'ai mon doigt qui est infecté, enfin c'est dégueulasse. Et je vais peut-être perdre mon doigt et me faire opérer. Je sais pas encore ce que ça va donner. Enfin, je croise les doigts, c'est le cas de le dire. Mais ça me fait un peu peur. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer et qu'on va aller manger au restaurant parce que j'ai un petit peu faim. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit pas avec les yeux. Wesh, j'ai un truc là, c'est parce que je viens de percer un bouton. Donc c'est le grand jour, enfin. Alors là, je vais préparer mes affaires. Il fait une chaleur, mais vous vous rendez pas compte. Là, il y a le ventilo qui tourne à plein régime. Je suis sorti tout à l'heure manger un McDo. J'ai dû rentrer parce que vraiment, je tournais de l'œil. Comme ça, c'est sur une chaise, j'allais crever. Jazz. Je sais grave pas quoi prendre, du coup j'ai vidé l'armoire. Et j'ai pris mon énorme valise, comme ça je la remplis que d'un côté. Parce que je sais quand je descends chez mes parents, à chaque fois je repars, la valise elle est blindée. Parce que ma mère elle m'a acheté des trucs, parce que j'ai acheté des trucs dans le sud. Parce que je remonte avec je ne sais quoi. Eh vas-y, je suis fatigué là, je sais même pas pourquoi j'argumente. Je remplis la valise, point. On n'oublie jamais les bandanas de toutes les couleurs, jamais. Voilà, et je remplis pas l'autre côté, comme ça je peux ramener des queutrues. Oh là là, purée. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à partir. Pour ceux qui me demanderont pour l'aquarium, il y a un distributeur à nourriture. J'ai acheté ça à 22 euros, ça me fait mal au cul, mais c'est plutôt sympa.
Allez, let's go, je sors la valise, on y va. Hier, je suis arrivé super tard et on s'est couché genre vers 2h, donc bref, tout ça pour vous dire que je suis arrivé. J'ai mis une casquette parce que mes cheveux au réveil, c'est quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo où je vous emmène un petit peu avec moi vous aura plu. Je suis désolé, hein, le matin je ressemble à Gainsbourg, c'est horrible. N'oubliez surtout pas eBay Club dans la barre d'infos, je vous le dis, je vous le répète, mais ça peut vous faire économiser de l'argent. Et on se retrouve très bientôt dans des vlogs, étant donné que je vais filmer mes aventures dans le sud. Donc à bientôt dans un nouvel épisode. First you get the money, then you get the power, respect.